Merci Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Esprit de vérité. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu nous remplis de ta présence. Alléluia. 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 Nous sommes dans la présence de Dieu. Laissons la place au Saint-Esprit agir en ce moment. Sa parole dit là, deux ou trois sont réunis à mon nom, je suis là. Et Jésus-Christ dit, je ne vous laisserai pas orphelin, je vous enverrai le Saint-Esprit. Et l'Esprit est là, car il y a la présence de Dieu. Merci. Merci Jésus. Merci pour ta présence. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? Acclamons, 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 acclamons le Seigneur. Il est le roi. Il est le roi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort notre Dieu? Acclamons le Seigneur, il est roi de rois. Le Seigneur des Seigneurs, il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont jamais existé. Il fait chaque chose au bon moment. Il fait chaque chose au bon moment. Il est Dieu. Alléluia. Nous continuons notre marathon. Aujourd'hui, Tosana, la cinquième journée Nabisso, dans la présence de Dieu. La Bible nous dit que lorsque nous venons au Seigneur, nous devons savoir reconnaître et accepter qu'il est là. Et si nous reconnaissons qu'il est là, nous devons savoir reconnaître et accepter qu'il nous écoute. Alléluia. La chorale ne va pas mourir de jeûne, n'est-ce pas? Amen. Les frères suppliaient pour boire l'eau. Les frères suppliaient pour boire l'eau. Amen. Amen. Prenons nos Bibles. Nous allons les inverser. Ésaïe chapitre 9. Ésaïe chapitre 9. Vous savez, Ésaïe chapitre 9, c'est une belle histoire parce que c'est là où on annonce la naissance de Jésus.
verset 1. Dans la version que j'ai ici, il est écrit: le peuple qui marche dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Le peuple qui marche dans les ténèbres voit une lumière. Ils étaient assujettis par la mort, l'esprit de mort, la désolation, l'inquiétude, le manque de possibilité de voir plus loin. Mais un jour, une lumière resplendit. Dans d'autres versions, on dit: les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. J'aimerais juste réfléchir avec toi pour te dire que c'est vrai, les ténèbres ne peuvent pas toujours rester dans ta vie. Les ténèbres, ce n'est pas seulement ce qui est obscur, mais surtout tout ce qui t'empêche d'accéder dans ce que Dieu t'a promis et dans ce que tu as combattu, prié pour qu'un jour tu voies la différence. Alléluia. Demain, nous allons avoir une croisade de prière d'intercession ici. On a fait ça il y a longtemps, ça fait 2 ans je crois, 2 ans passés. Ce sont des moments de prière, d'exercice de prière, parce que nous venons prier pour les autres et les autres prient pour nous. Alors, on va avoir plus de gens que d'habitude et j'aimerais que si tu es de cette église, que tu sois là à temps. Amen. Nous serons obligés d'ajouter un peu de chaises, sauf si la météo nous fait défaut, pour que nous prions. Amen. Le programme commence à 14h et nous terminons à 17h. Déjà, 15 minutes avant, 13h45, la chorale peut commencer déjà à nous mettre dans l'ambiance. 14h juste, on se lève, nous chantons un peu et puis nous allons entrer dans un modèle d'intercession. Peut-être que tu n'es pas familier avec cela, mais pour bousculer les ténèbres. Alléluia. Donc voici une occasion pour toi demain de venir avec une invitée spéciale, un invité spécial pour prier ensemble. Mais ce soir, je voulais te dire qu'il faut comprendre le contexte de ce texte. On parle plus tard dans Ésaïe, quand vous continuez, vous allez voir que le prophète commence à dire: un fils nous est donné, un enfant nous est né, et toute la charge du monde reposera sur lui. On l'appellera Emmanuel, ainsi de suite. Donc nous sommes là sur le territoire de Galilée, ou le territoire de Nephtali et de Zabulon, d'après les éléments des tribus des Juifs. Tout le monde était occupé, ce territoire était occupé par des païens et était sous domination des dieux païens. Quand vous lisez l'histoire, vous allez voir, Israël a connu beaucoup de problèmes. Et pendant ce temps, le Dieu d'Israël n'était plus célébrable parce que les sacrificateurs, le peuple, les voyants, tout le monde était sous cette domination. Donc, c'est vraiment les dieux païens qui régnaient. L'atmosphère spirituelle était très chargée et les choses de Dieu n'avançaient pas. Donc, ce territoire était considéré finalement par des prophètes comme un territoire souillé, où le diable, les ramifications du diable ont pris possession. C'est pour cela qu'on appelait cela le pays des ténèbres. Mais au lieu que Dieu choisisse là où il y a la lumière pour se manifester, Dieu va choisir là où il y a les ténèbres pour se manifester. Je veux dire ceci: Dieu n'a pas besoin d'intervenir dans ta vie que lorsque les choses marchent.
il a aussi besoin d'intervenir lorsque les choses ne marchent pas. Ça veut dire que même si les difficultés sont là, les blocages, mais tu dois continuer à prier et à croire que le Dieu que tu as accepté est capable de te sortir de là. Alléluia. Nous louons Dieu facilement. J'ai rencontré une sœur. Elle a décidé d'arrêter sa vie, mais pas de se tuer. Elle a connu une situation avec un enfant. Elle s'est décidée, je m'éloigne de tous ceux qui sont les miens et je veux rester dans une maison. Je ne fais plus rien. Je fais le minimum. Je sors pour acheter à manger. Je rentre, je mange, je dors. Et c'est tout ce qu'elle fait. Et comme ça pendant 2 ans. Elle dit, je n'ai pas de problème parce que de toute façon, Dieu m'a oublié. Alléluia. C'est très grave qu'un chrétien puisse croire que Dieu l'a oublié. Amen. Dieu ne peut pas nous oublier. Dieu ne peut pas t'oublier. Alors, il faut toujours se battre. Lorsque la situation est très difficile, de continuer à croire que cette situation n'est pas éternelle. Ça va s'arrêter un jour, que tu le veux ou non. Ça finira par s'arrêter. Alléluia. Il y a quelques années, j'illustrais cela avec l'embouteillage. Je disais, il n'y a personne qui dort à l'embouteillage ici. Vous savez, souvent le vendredi soir et le samedi après-midi, il y a des gros embouteillages à Kinshasa. Je suis déjà entré dans un embouteillage où on est entré à 19h et jusqu'à 23h, nous sommes toujours là. Et on n'a même pas fait plus de 2 km. Mais curieusement, personne n'a dormi à l'embouteillage. Alléluia. Donc ça finit toujours par partir. Et les difficultés que nous avons dans la vie, c'est ainsi. Nous ne pourrons pas rester toujours dans ces difficultés. Amen. Alors Dieu a décidé d'envoyer son Fils pour que ce pays puisse être libéré. Mais ce qui est plus important pour nous, c'est de commencer à comprendre petit à petit d'où viennent les ténèbres qui envahissent notre vie. Nous sommes ici en train de prier, de jeûner, mais il est important, après avoir crié, dansé, parlé en langue, que tu prennes un temps de méditation et tu te dis, pourquoi ce problème-là dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à percer ceci? Pourquoi je n'arrive pas à atteindre ce niveau? Et là, connaître d'où viennent tes problèmes. Amen. Je viens de suivre le témoignage d'un pasteur. Il est pasteur maintenant. Je crois qu'il est en Ouganda. Il est né miraculeusement parce que sa maman ne devait pas avoir les garçons. Et dans le village, il fallait avoir le garçon. Et la maman a pris le courage, dit, je veux voir les grands marabouts. Et elle a essayé dans tous les marabouts. On dit non, ici on... ça ne va pas. Et puis on lui indique une forêt. On dit, va vers cette dame-là. Elle est la plus puissante de tout ce territoire. Le garçon explique que la dame n'avait pas 2 seins, mais elle avait un seul sein sur sa poitrine. Et tout le monde allait prendre le feu. Et la maman est partie pour dire, voilà, moi j'ai besoin d'un garçon. Et la féticheuse lui a dit, non, peut-être ça peut être... pas être possible. Mais pour voir la féticheuse là, il faut entrer dans sa forêt 7 jours sans habit, tout nu. Tu restes 7 jours là-bas, après maintenant tu peux la voir. Et la maman a fait cela. Mais à la fin, quand elle arrive, c'est la déception. Elle dit non, moi en tout cas, je dois avoir mon garçon. Dans ce cas-là, je dois revoir la dame. On dit, si tu veux la revoir, tu dois avoir encore faire 7 fois. Dans la forêt, toute nue. Elle a fait cela. Et par sa détermination, la dame lui a dit, ok, tu auras un enfant, mais à une seule condition. Cet enfant doit être mon mari. Et le jour où l'enfant est né, la maman est revenue avec l'enfant chez la prêtresse là. Et les bishops, les gens qui étaient dans l'occultisme, sont venus faire la cérémonie de mariage entre une femme de 60 ans et un bébé de 2 semaines seulement. Et c'est comme ça que le garçon est entré dans les ténèbres. Alléluia. Donc, il y a des situations que nous n'avons pas cherchées.
mais qui se sont imposés à nous et qui nous a imposé des situations impossibles. Vous vous rappelez, la Bible nous parle du péché d'Adam. C'est par là que le péché est entré dans le monde. L'héritage spirituel de nos parents, nous n'avons pas cherché cela, de fois ça vient s'imposer sur nous. Alléluia. Et comme ce monsieur, et ça l'a pris plus de 28 ans pour être délivré. À 4 ans, il était capable de donner le pouvoir à tout le monde. Mais il n'a pas cherché cela et ça s'est imposé à lui. Alléluia. Il y a des circonstances, que tu le veux ou non, ça s'impose sur nous. Lorsque vous habitez même un quartier, il y a une domination sur ce quartier qui vient s'imposer sur vous. Et c'est à vous de résister et de vous échapper de cela. Je me rappelle quand nous étions enfants, avant que tous ces phénomènes arrivent, quand vous arrivez dans les quartiers comme Matongé, il n'y avait que des bars. Si vous êtes là et vous êtes voisin d'un bar, difficile pour vous en tant qu'enfant d'étudier. Ça s'impose à vous. À Matete, c'était la bagarre. Parce que dès que tu entres à Matete, tout se résout par la bagarre. Il y avait les judokas, il y avait le judo c'était à 20, mais eux, c'était les catcheurs, les boxeurs. Donc, on avançait comme ça. Vous êtes à Kitambo, les garçons n'évoluent pas. Tout le monde est là pendant la journée en train de jouer aux dames avec les pantalons qu'on a coupés comme shorts. Et vous allez à Bandal, on ne se marie pas. Tu te maries, tu dois rentrer dans la famille. Il y avait un peu un esprit qui s'impose sur les gens. Simplement parce qu'ils sont, ils habitent un territoire. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui, même cet esprit qui prend les enfants, nos jeunes, les Kuluna, les gens que nous appelons les Kuluna. Mais en fait, si vous regardez bien, vous allez voir que cet esprit est en train de monter, de monter, de monter. Premièrement, il y avait le premier groupe des enfants qu'on appelait enfants de la rue. On les a déclarés sorciers dans une église, les parents les ont chassés, et papa, maman sont morts. L'enfant ne sait pas où aller. C'était ces petits-enfants-là. Et ils ont grandi dans la rue. Alors, pour survivre, ils doivent voler et ils doivent attaquer. Ça, c'était des enfants qui n'avaient pas de parents. Mais on est monté maintenant à une autre catégorie des enfants très dangereux. Ceux-là qui étaient enfants, ils ont grandi. Ils ont rencontré un autre groupe des enfants dans le quartier. Ceux qui ont abandonné l'école, où les parents sont très pauvres, ils se sont ligués et ils sont sortis dans la rue pour attaquer. C'est un esprit. Si ce n'était pas un esprit, ça n'allait pas se répandre dans toutes les communes. Ça allait être une histoire d'une commune et puis c'est fini. Et puis maintenant, nous avons une troisième catégorie. Ce n'est plus les pauvres. Ce n'est plus les enfants abandonnés. Ce n'est plus ceux qui ont abandonné l'école, mais c'est même ceux qui ont étudié. Ils ont des diplômes et aussi ils ont pris les machettes. Alléluia. Vous avez suivi partout à la télévision ou dans les réseaux sociaux que les gens qui kidnappaient les jeunes dans la rue n'étaient pas des illettrés. C'était des jeunes gens qui avaient des diplômes universitaires. Alors qu'est-ce qui fait que quelqu'un, un jeune homme, un beau gars, une belle fille qui a la potentialité d'évoluer dans la société, quitte subitement le chemin et vient entrer sur ce chemin de faire du mal aux autres. Un esprit s'était imposé. Alléluia. Quand vous lisez l'histoire d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils ont quelque chose de caractéristique ensemble. Abraham avait une femme et cette femme avait un problème de conception. Mais la Bible dit qu'elle était belle. Son fils Isaac avait une femme et cette femme aussi avait un problème de conception. Et la Bible dit qu'elle était belle. Jacob, la femme qu'elle voulait, ce n'est pas celle qu'elle avait eue, elle a eu l'autre. Il y avait toujours un problème. Mais les trois ont eu des problèmes.
Abraham, à cause de la famine, a fui en Égypte. On lui a posé la question, cette dame-là, c'est ta femme? Elle dit, non, c'est ma sœur. Alléluia. Abraham. Bon, maintenant, moi, je vois pasteur Manassé avec maman Sarah. Ils descendent dans l'avion et puis quelqu'un demande, c'est ta femme? Il dit, non, c'est pas ma femme, c'est ma sœur. Parce qu'il a peur que Bakanga ait l'immigration. Alléluia. Mais on va avoir des problèmes à l'église. Amen. Ah, pasteur, on a moi ce n'est poto. Alléluia. Mais Abraham l'a fait à cause de la nourriture. Il se dit, si je dis que c'est ma femme, je risque. Comme elle est belle et que le roi déjà commence à le courtiser, je ne veux pas m'interférer. Même chose avec Isaac. Devant la famine avec le Philistin, les Abimelech, il a eu aussi le même problème. Jacob, n'en parlons pas, avec son frère, ils se sont battus pour la nourriture. Donc, il y a des choses qui viennent s'imposer comme ça dans la famille. Alléluia. Et vous allez voir, dans ces familles-là, il y avait toujours des problèmes. Ce n'est pas toujours l'extérieur, mais c'est dans la famille qu'il y a des tensions et des difficultés. Abraham arrive quelque part avec son neveu Lot. Il y a la discussion. Il se dit, je veux prévenir ce problème. Je vais à gauche, tu vas à droite. Alléluia. Il y a des choses qui sont des héritages spirituels que nous pouvons sortir de là si nous restons éveillés. Et que ces choses ne peuvent pas continuer à nous commander. Alléluia. Ne dites surtout pas, bon, moi dans ma famille c'est comme ça. En tout cas, de toute façon, ezelo kwa famille nabiso. Non, tu peux t'en sortir. Ce qui est ténèbres ne peuvent pas continuer à s'imposer dans nos vies. On doit se réveiller un jour et se révolter. Je ne pense pas que quelqu'un a dit dans votre famille que personne ne doit avoir un travail. Tout le monde est dans le chômage. Papa était dans le chômage, le grand frère est dans le chômage, le petit frère jusqu'au cadet qui n'a pas encore terminé les études, il est déjà dans le chômage. Alléluia. Alors, quand tu vois ces phénomènes-là, tu dois te lever et dire, le ténèbre ne règnera pas toujours dans ma famille. N'est-ce pas que chacun de nous est en train de voir quelque chose qui n'arrive pas à partir, qui persiste, qui résiste autour de nous. Alléluia. J'ai des amis, les musiciens les chantaient, ils étaient à 6. Mais lorsqu'ils atteignent 39 ans, 40 ans, ils doivent mourir. 39 ans, 40 ans, ils doivent mourir. Ils sont restés à 3. Alors, j'étais en visite à Paris et le cadet, il est tombé malade. Mais il ne savait pas c'était quoi la maladie. Il avait peur qu'il a attrapé la maladie du siècle. Or, c'était un début de cancer. Alors, il s'est caché à la maison, essayé de prendre des médicaments lui-même. Et une semaine avant sa mort, la grande sœur qui était à Kinshasa va décéder. Lui va décéder. Il va rester un seul. Il ne reste qu'un seul dans cette famille. Personne n'avait traversé l'âge de 40 ans. Et nous sommes allés au deuil et le frère là tremblait comme tout. On a fait toute la cérémonie de funérailles. J'ai pris la parole. On est allé au cimetière. Ce qui m'a fait étonner, c'est que le petit là était un ambianceur. Parce qu'on les chantait par tous les musiciens. Mais le jour où on est allé pour l'enterrer, moi j'attendais qu'on chante les chansons là où on le chante. Non, on commençait à chanter les chansons de l'église. Donc tout le monde reconnaît que même en dernière minute, Dieu est important. Alléluia. Ce monsieur est resté seul. Tous les autres 5 de la famille sont partis. Entre 39 et 40 ans. Et on l'a dit, comme toi tu as accepté Christ, tu traverseras 40 ans et tu vivras, tu verras des petits-enfants et tu verras des arrière-petits-enfants. Et il est debout aujourd'hui parce qu'il s'est levé, il a dit, l'histoire des 40 ans, je ne sais pas d'où ça vient. Si c'était venu par mes grands-pères, mes arrières ou mes parents, ça c'était eux. Moi je décide de me lever
et je donne ma vie à Christ, 40 ans, c'est fini pour toi. Et aujourd'hui, il a 60 ans. Alléluia. Alors, pourquoi on courbe la tête, on courbe le dos, on se dit non, il cambo vraiment la famille Nabisso, et Kobimandeng et Nini, situation, non, ça peut partir. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Alléluia. Des choses qui se sont imposées du royaume des ténèbres sur nous. Mais il y a aussi cette ignorance naturelle que nous avons. Nous ne savons pas discerner les choses. Et on se laisse dans l'ignorance. Le monde des ténèbres est trop avancé pour que je le décrive ici. Je reviens encore au témoignage de ce monsieur. Il dit, voilà, il y a un groupe de 20 femmes et un pasteur dans un village en Ouganda qui priait. Et c'est là pour la première fois, ça ne date pas, que j'ai compris la réalité de prière comme nous sommes en train de faire ici. Ce sont les prières d'alliance. Les jeûnes de 14 jours dans l'église ne sont pas des prières individuelles. C'est une prière d'alliance, c'est-à-dire un groupe de gens entre en alliance avec Dieu. Mais ça ne marche que si tu respectes à la lettre les directives du pasteur. Alors, ils se sont dit que nous allons prier pendant 90 jours, 6 heures par jour. Mais ils ont dit ceci, ils ne le savaient pas, hein? Ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils se sont dit ceci. Si un jour seulement, supposons qu'on arrive au 10e jour, et le 10e jour, on arrive en retard, parce qu'ils ont dit de 15h à 21h. Si on arrive en retard, on recommence à compter à zéro. Vous comprenez? Donc, aussitôt comment il y en a 10 jours, mais moi, Guy, j'arrive en retard. La prière devait commencer à 15h, j'arrive à 15h05. Donc, 10 jours en Essaïnini, et Kouéi, Tobané Soussou, 1. Et ils ont commencé à prier. Ces femmes-là ne sont jamais allées à l'école. Laisse-moi te dire, Dieu n'a rien à voir avec le diplôme. Dieu n'a rien à voir avec le français. Dieu n'a rien à voir avec ton origine, ni tes moyens financiers. Dieu a à voir avec ton cœur. Que tu aies étudié ou pas, que tu sois riche ou pas, que tu aies ceci ou pas, dès que tu ouvres ta bouche pour adorer Dieu, sincèrement dans ton cœur, Dieu est avec toi. Alors, il ne faut pas être complexé. Oh non, parce que lui, c'est pasteur Guy, peut-être. Non, que ça soit moi ou que ça soit toi, si nous sommes sincères dans notre cœur, Dieu écoutera ta prière plus que la mienne. Et ces mamans qui n'ont jamais étudié, qui font le chant, ont pris un engagement d'alliance terrible. C'était en 1999, on devait passer en 2000. Il y avait beaucoup de psychose en Europe parce que tous les ordinateurs étaient programmés jusque l'an 2000. Tous les ordinateurs. Le système de comptage s'arrêtait en 2000. Alors tout le monde avait peur que les ordinateurs vont créer quelque chose et il fallait contrôler le monde. Et dans le monde de ténèbres, les grands maîtres ont essayé de contrôler tous les couloirs, mais ils n'ont pas réussi à contrôler le couloir du fleuve Nil, c'est-à-dire du nord du Congo jusqu'en Égypte. Ils n'arrivaient pas à placer leur autorité. Et ils ont essayé de voir, ils n'ont pas détecté jusqu'à ce qu'ils vont avoir la révélation satanique que ça vient d'un groupe de 20 femmes qui ont fait une alliance. Ils ont fait une prière d'alliance. Alléluia. Et c'est à partir de ces 20 femmes-là que la bagarre commençait. Mais le monsieur était envoyé pour distraire les gens à la prière. Mes frères, mes sœurs, pendant ce temps de 14 jours, refusez les plaisanteries. Refusez les histoires-là. Non, on a Betreka, Toseka. Non, refusez cela. Sois concentré. Reste concentré dans la prière.
Non, Tobetana, moi, tout le monde, non, n'entre pas dans ces histoires. Mais ce que je voulais dire, c'est ceci. Quand on a envoyé les gens pour attaquer ce groupe-là, on leur a donné un livre de 500 pages. Dans le livre de 500 pages était écrite l'histoire de chaque personne, de chaque femme-là, le groupe de prière. Ça veut dire ceci. Le diable ne connaît pas ton avenir, mais il connaît ton passé. Alors, il étudie ton passé minutieusement pour détecter où se trouvent tes failles. Et dès qu'il détecte, c'est par là qu'il va t'attaquer. Alléluia. 500 pages. Donc, tel que tu viens là pendant 14 jours, si tu crois que dans le monde de ténèbres, on ne te connaît pas, tu te trompes. On te connaît très bien et on te suit à la lettre. On connaît tes failles, on connaît tes erreurs et on essaie de te provoquer dans ce sens-là pour t'avoir. Alléluia. Donc nous ne devons pas être ignorants que dans la prière, le diable aussi se lève. Nous ne devons pas être ignorants pendant ce temps de prière de ne pas entrer dans n'importe quoi, de ne pas regarder n'importe quoi. Nous devons être conscients. Et c'est cette ignorance qui peut ramener, renforcer les ténèbres dans nos vies. Alléluia. Il y a aussi l'influence culturelle. L'influence culturelle fait de sorte que nous-mêmes, nous nous ouvrons dans des histoires qui font entrer le diable dans nos vies. Laisse-moi te dire, nous sommes dans ce temps de jeûne et prière, et voilà, il y a une cérémonie dans ta famille où on doit régler un problème et on a dit tout le monde doit sauter ici. Aux yeux des hommes et de la famille, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, je peux sauter, n'est-ce pas? Ce n'est pas un problème. Mais l'ignorance fait que tu crois comme ça. Le fait même que tu acceptes, tu entres en alliance avec eux. Et tout le temps que de prière que tu fais, alléluia. Je vais aller plus loin. Vous savez, pendant ce temps de prière, il faut même éviter la télévision. Il faut éviter. Surtout nous qui regardons, nous les femmes, qui dormons sur nos velas, ou toutes ces chaînes indiennes, tout ça. Aux yeux, ce n'est pas un problème, n'est-ce pas? Mais tu es dans une période, il ne faut pas être ignorant, il faut être concentré dans la prière. Mais le fait que tu passes ton temps, tu dis non, j'ai beaucoup prié, je veux me détendre. Et tu commences à entrer dans les films et ta tête est bouleversée parce que tous ces films ont un seul objectif, c'est influencer tes pensées. Alléluia. C'est pas un secret hein, que tous les dessins animés sont faits pour envoûter les enfants, si vous ne le savez pas. Ce n'est pas un secret. Les dessins animés sont faits pour envoûter les enfants. Quand je dis envoûter, c'est-à-dire leur reprogrammer la façon de penser. On est allé très loin maintenant. On avait commencé avec les homosexuels, c'est-à-dire femme, femme, homme, homme. Mais après, on a changé. On dit on va de l'homme vers la femme ou la femme vers l'homme, c'est le transgender. Et puis, on est allé encore plus loin. Maintenant, l'agenda n'est pas fini. On enseigne déjà à l'enfant qu'il peut choisir, au lieu, quand tu es une femme, au lieu d'attendre un garçon, tu peux aller avec une fille. C'est dans les dessins animés, si vous ne regardez pas ça. Alléluia. Donc, ne soyons pas ignorants et ne laissons pas l'influence culturelle prendre sur nous. J'ai fait plusieurs délivrances en Amérique. Je n'avais pas trouvé les mêmes démons qu'ici en Afrique, où on voit l'oncle qui apparaît et tout ça. Je n'ai pas vraiment trouvé ça. Mais la plupart des délivrances qu'on faisait, il y avait un jeu que les Américains jouent. Ça s'appelle le Ouija board. C'est un peu un jeu des esprits. Hein? C'est comme le jeu des dames ou quoi. Mais vous citez les noms des esprits et ainsi de suite. Et la plupart des délivrances, c'était ces esprits-là de ce jeu qui sortaient de la délivrance.
Mais culturellement, c'était un bon jeu. Mais spirituellement, ce n'était qu'une porte par laquelle l'ennemi devait attendre à entrer. Alors, si nous disons que les ténèbres ne régneront pas toujours, et si nous voulons nous en sortir, c'est pendant ce moment de jeûne comme ça qu'on peut s'élever, on fait le bilan et on dit, on arrête tout cela. On se bat et on ferme les portes. Alléluia. Lorsque les ténèbres prennent position dans notre vie, ça devient difficile. Impossibilité de voir très loin. On prie, mais il n'y a pas de résultat. On n'a pas de révélation. On devient un aveugle spirituel. En tant que chrétien, il faudrait qu'à un moment donné, prier, prier, mais que Dieu aussi puisse te parler. Dieu ne parle pas seulement aux serviteurs, aux pasteurs. Non, il parle à tout le monde. Moïse, quand il a rencontré le buisson ardent, il n'était pas pasteur. Alléluia. C'était quelqu'un qui avait tué quelqu'un en Égypte et qui fouillait la condamnation de mort. Donc c'était un assassin à qui Dieu a parlé. Paul, quand il a rencontré sur le chemin de Damas, il rencontre Jésus-Christ, ce n'était pas un chrétien. C'était quelqu'un qui avait une colère contre les chrétiens, avait l'autorisation de la société pour aller maltraiter les chrétiens. Nous devons faire attention à cela. Vous savez, dans la Bible, il y a une bonne histoire dans 1 Chronique 21, au verset 1. La Bible dit que Satan excita le roi David. Vous avez déjà lu ça? Hein? Le roi David, le père de l'adoration. Mais la Bible dit que Satan l'a excité et il est allé faire le recensement parce que Dieu avait interdit qu'on fasse le recensement. Alléluia. Alors il faut rester éveillé. Si on n'arrive pas à voir la révélation, nous devenons des aveugles spirituels. Et c'est bien de demander la prière, mais c'est aussi un dérangement d'appeler le pasteur à 23h pour dire papa sambe la pona biso. C'est un dérangement. En tant que chrétien, tu as l'esprit de Dieu. Nous te soutenons dans la prière. À minuit, on vient toquer chez le pasteur. Je veux bien que ça soit une urgence. Hein? Je veux bien. Parce qu'il y a des urgences qui nécessitent que le pasteur vienne. Mais c'est le moment d'apprendre à se lever et à prier. Lorsque les ténèbres s'installent dans nos vies, impossibilité d'accéder ou de toucher ou de contrôler ou de garder ce qui vous est destiné. Dieu a dit des choses pour toi, mais tu ne vois rien. Parce que on est en train d'être anéanti par les ténèbres. Nous devons apprendre à se battre. Beaucoup d'entre vous ou de nous, moi je me rappelle, et le pasteur me rappelle ça toujours. Il dit, mais toi là, tu commences des projets, tu ne termines pas. Un jour, j'ai dit, mais il a raison. J'ai commencé ceci, je n'ai pas terminé. J'ai commencé ceci, je n'ai pas terminé. Qu'est-ce que je fais? Je me suis levé. Il ne se rend même pas compte. Hein? C'est El Mourad à moi, prophète. Je me suis levé une nuit. J'ai dit, cette histoire-là, de commencer les projets et de ne pas terminer, ça, à partir d'aujourd'hui, c'est fini. Je me suis levé. Mais tu ne peux bien prier que si tu sais où se trouve le problème dans ta vie. Mais nous ne voulons pas analyser nos problèmes. Nous voulons fuir nos problèmes. Lève-toi et tu dis, je constate que ça c'est le problème de ma vie. Je veux me lever. Alléluia. Ça peut être déjà quelqu'un te l'a révélé. Ça peut être toi-même dans des rêves. Ça peut être toi-même dans ta conscience. Est-ce que vous croyez que le soulard ou l'alcoolique ne sait pas qu'il est alcoolique? Il le sait, mais il n'a pas la force de s'en sortir. Mais s'il reconnaît son problème et il se lève, il dit, cette fois-ci, les ténèbres de l'alcool, c'est fini dans ma vie. Je vais m'élever. Il prie et il demande l'aide. Il y a des choses qui partent facilement, il y a des choses qui nécessitent un processus.
Le processus, c'est que tu viens t'encadrer autour de l'église, tu lis la parole de Dieu, tu écoutes les prédications, et puis tu peux t'en sortir. Mais il y a des choses, je peux me dire, je suis déjà chrétien, je dois sortir de là. Comment je fais? Je me lève chaque nuit, je prends un temps de prière, je remets cette histoire-là et je brise cela. Parce que Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur quoi? Alors, mais tu as un verset. C'est comme ça qu'on sort des ténèbres, par les déclarations prophétiques sur toi-même. Il n'y a pas d'autre formule. Tu acceptes et tu crois et tu te lèves, tu déclares. Tu déclares ce qui vient de ton cœur, tu déclares aussi ce que la Bible a dit dans ta vie. Alléluia. Je ne sais pas combien de déclarations je fais dans ma vie pour m'en sortir. Comment stopper les ténèbres dans notre vie? La première des choses, par des déclarations. Tu dois apprendre à déclarer la liberté. Tu dois apprendre à couper les liens. Tu dois apprendre à s'attacher à Christ. Les versets bibliques sont à notre portée. Tu prends la Bible, tu commences à lire, tu déclares ça dans ta vie. Première des choses. Deuxième des choses pour sortir des ténèbres. Évidemment, accepter Christ Seigneur et Sauveur. Abandonner tout ce qui revient chaque fois. Vous avez remarqué qu'il y a toujours quelque chose qu'on essaye d'éviter et qui revient chaque fois. En français, on appelle ça péché mignon. C'est comme si on n'est plus capable d'arrêter cela. Ramener toute pensée captive à l'obéissance de la croix. Lorsque mes pensées divaguent, je dis, je ramène cette pensée captive à l'obéissance de la croix. Et je marche sur cela parce que c'est un scorpion. Exercer l'autorité divine en nous. La Bible nous parle des armes spirituelles. On doit exercer cette autorité-là. Alléluia. J'aimerais ce soir, on va se mettre debout, que tu regardes un aspect de ta vie et nous allons prier. Nous allons prier pour cela. Tu peux te mettre debout, prendre un aspect de ta vie. Il n'y a personne qui peut prier plus que toi-même pour ton problème. Nous prions ici, nous ne demandons pas, Seigneur, donne-moi. Non, nous prenons autorité. Amen. Quelque chose qui est entré dans ta maison, si c'est la maladie qui est entrée, tu prends autorité sur cette maladie-là. Qui va d'un enfant à un autre, tu n'as pas assez de moyens, le peu que tu as, chaque fois que tu touches, les enfants tombent malades et ça part. Dès que tu as un peu d'argent, la famille commence à t'appeler, il y a mon fils qui est malade, il y a celui-là, c'est la rentrée scolaire, l'autre doit voyager, la tante est morte et tout ton argent part. C'est comme si les gens savaient quand est-ce que tu touches l'argent. Tu veux commencer ton commerce, tu commences un peu et tu tombes. Cette fois-ci, tu dis, je commence et Dieu va me soutenir, je veux respecter les principes de Dieu et je vais avancer. Ceux qui ont commencé les supermarchés, un jour, ils avaient commencé un petit ligablo. Alors, si eux, ils ont réussi, c'est que toi aussi, tu peux réussir. Mais tout se trouve dans ta tête et ta détermination. Tu as commencé les études, tu dis, je veux terminer ces études. Tu as terminé les études, tu dis, je veux avoir un emploi que Dieu a dessiné pour moi. Tu prends autorité, parce que l'autorité de Dieu est en toi. Et surtout en cette période où tu es en alliance avec Dieu. Alors là où tu es, commence à penser à une chose qui te dérange dans ta vie. Nous voulons prier. Personne ne peut te pousser à prier. Tu peux quitter un peu ton siège, marcher dans la salle et commencer à prier. Prendre autorité. La chorale va nous aider. Prendre autorité sur les choses de ta vie. Et tu dis, les ténèbres ne régneront pas toujours dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ, élève ta voix. Prends l'autorité dans ta vie. Sur ta propre vie, prends l'autorité. Les ténèbres ne régneront pas toujours.
Cette histoire qui fait que tu manques l'argent à tout moment, aujourd'hui, ça doit finir. Tu prends l'autorité sur cela. L'argent n'est qu'un instrument. Si ça doit passer par tes mains, ça passera. J'ordonne à l'argent de passer aussi par tes mains, au nom de Jésus. Prends autorité. Prends autorité. Prie pour toi-même. C'est pour toi-même. Tu dois être capable de prier pour toi-même. Prends autorité. Ne demande rien. Prends autorité. Cette histoire de chômage dans ma famille, c'est fini aujourd'hui. On ne nous avait pas créé sur cette terre pour être des chômeurs. C'est fini. Toi, chômage, la Bible me dit que tout ce que je touchera tournera en or. Je proclame ma prospérité. Plus question de chômage. Déclare les bonnes choses pour toi-même. J'avancerai. Je réussirai. Je voyagerai. Je me marierai. Je travaillerai. Je serai en bonne santé. Prends autorité. Prends autorité sur toi-même. Déclare des choses sur toi-même. Je ne veux plus échouer. Mon commerce va avancer. Je vais avoir la double portion. Je ne manquerai plus l'argent du loyer. Je ne manquerai plus l'argent de transport. Mes enfants vont étudier. Je ne manquerai pas l'argent de Minerval. Mes enfants seront en bonne santé. Tout celui qui habite ma maison sera toujours en bonne santé. Au nom de Jésus. Proclame. Proclame dans ta vie. Proclame dans ta vie. 10 000 tomberont à gauche ou à droite. Je resterai debout. La maladie ne me touchera pas. Déclare. Déclare. Déclare pour ta vie. Ne te prive pas. Déclare pour ta vie. Déclare Jésus. Spirituel doit croître. Tu monteras de niveau spirituel. Tu monteras de niveau spirituel. Oh.
Déclare que tu es enfant de Dieu. Commence à déclarer que tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant de ténèbres. Tu n'es pas un enfant de sorcier. Tu n'es pas un enfant de malchance. Tu n'es pas un enfant d'échec. Toi, tu es un enfant de Dieu. Déclare-le. Déclare cela. Tu es un enfant de Dieu. Déclare, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas un enfant d'échec. Tu n'es pas un enfant d'échoué. Tu n'es pas un enfant de troué. Tu n'es pas un enfant de maladie. Tu prends la mer, je veux la traverser. Mes pères, c'est noir dans ton amour. Hey! Tu m'as sauvé, alors je vais chanter. Tu prends la mer, je veux la traverser. Mes pères se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant. Je suis enfant de Dieu.
je suis enfant de Dieu. Maintenant, j'ai besoin de ta détermination. C'est pour toi-même. J'ai besoin de ta détermination. Tu vas te délier de tout ce qui t'empêche d'avancer. Tu vas couper tous ces liens-là. Tu prends l'autorité. Dieu t'a donné l'autorité. Tu déclares tout lien qui t'empêche d'avancer. Aujourd'hui, tu le coupes au nom de Jésus-Christ. Et tu verses le sang de Jésus sur cela. Prions l'Éternel. Commence à te délier. Refuse tous les liens inutiles. Refuse tous les liens inutiles. Le lien de famille, je le coupe. Aujourd'hui, je suis libre. Le lien des amis inutiles, je le coupe. Aujourd'hui, je suis libre. Tout ce qui m'a retenu dans n'importe quoi, je le coupe. Au nom de Jésus, je marche dans la liberté. Je marche dans la joie. Je marche dans la liberté. Coupe cela. Coupe cela. Coupe cela. Ekatana, na komona Jesus Christo. Ekatana, na komona Jesus Christo. Oyo shakana kio, ono kia bokoko. Ekatana, inconscience. Ekatana, busoba. Ekatana, goiba. Ekatana. J'aimerais maintenant que tu marches et tu vas déclarer, je prospérerai à tous égards. Commence à marcher, déclare que tu vas prospérer à tous égards. Commence à marcher, déclare que tu prospères à tous égards. Dans tes pensées, tu vas prospérer. Dans tes finances, tu vas prospérer. Au travail, tu vas prospérer. À l'école, tu vas prospérer. Dans la famille, tu vas prospérer. Je prospère à tous égards. Je vais prospérer à tous égards. Je vais prospérer à tous égards. Je vais prospérer à tous égards. Je vais prospérer. Dans mes amitiés, je vais prospérer. Dans les affaires, je vais prospérer. Dans la prière, je vais prospérer. Dans mon mariage, je vais prospérer. Dans les choses de Dieu, je vais prospérer. Dans le travail, je vais prospérer. À l'école, je vais prospérer. Dans mon quartier, je vais prospérer. Partout où je marche, je vais prospérer. Au nom de Jésus. Seulement ta tête et reste calme. Seigneur, ma prière ce soir est que toute intention de prière que mon frère et ma soeur ont élevé en ce lieu, accepte-le comme un parfum de bonne odeur qui voit la différence. À la fin de ces 14 jours, je prie que la vie de quelqu'un puisse changer, qu'il revienne témoigner ici pour dire oui, le Dieu d'Israël est vivant dans cette église. Seigneur, ce qui a régné dans les ténèbres dans nos vies, aujourd'hui nous avons renversé cela. Ouvre nos yeux, que les écailles puissent tomber. Débouche nos oreilles, que les bouchons puissent partir. Délie nos langues éternelles, que nous puissions proclamer, que nous puissions entendre et voir ce qui vient de toi. Fais de nous éternel, les propres prophètes de nos propres vies. Au nom de Jésus-Christ, nous prions.
Amen. Que le Seigneur nous bénisse.